méthode Flore. Règle numéro 23. Ne pense surtout jamais que tu es un surdoué. J'ai toujours su que t'y arriverais. Approche. Hey, c'est une super nouvelle. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Un 10, en maths, lui. Un 10, en maths, lui? Eh oui, Flore, maintenant c'est lui l'intello de la famille. Je savais même pas qu'il savait compter jusqu'à 10. Tu reprends ta copie? Oui. Top là. Chris, t'es sûr que c'est bien ta feuille? Si ça se trouve, on t'a donné celle d'un autre par erreur. Y a pas d'erreur, c'est toi l'erreur. Chris. Non, Irma, Chris a raison, il a le droit de répondre. Il a travaillé très dur, il mérite d'être félicité. Flore devrait arrêter ses caprices. Il a jamais réussi à avoir au-dessus de 6. Alors un 10, moi je dis que... Flore, les notes ne sont pas tout et tu le sais. C'est plutôt ce qu'on fait pour les avoir. Pas le résultat, quand on a du plaisir à faire quelque chose, on s'améliore, ainsi va la vie. Ouais, Chris n'avait sûrement jamais été encouragé comme il faut avant. Oui, Flore, j'avais pas été assez encouragé. T'encourager? T'as dû refaire deux fois la même classe tellement t'as... Ferme-la, d'accord? Ou sinon quoi? Tu vas faire des multiplications? Non, j'ai lu un article sur les surdoués l'autre jour. Ils disaient qu'ils ont besoin d'être encouragés. T'as bien dit les surdoués? Hé, ton père en veut peut-être aussi. Oh non, va apprendre. Ah, Flore, c'est toi qui débarrasses la table aujourd'hui. La racine carrée de 25. Allô, c'est quoi la racine carrée de 25? Quoi encore? Non, tous les résultats sont faux. N'importe quoi, t'es jalouse? Non, pas du tout. Je parie que si. Pourquoi je le serais, hein? Tu gagnes? Ouais, je déchire tout. 24 kills, deuxième au classement général. Ouais, bien joué, man. Et toi, va te laver les dents, il est déjà 20h30. Oh, et pourquoi Chris a le droit de jouer après 8h? Occupe-toi de ce qui te regarde, toi. Chris est autorisé à rester debout plus tard que toi. Allez, monte. Headshot multi-kill, ouais, bam! Bonjour, monsieur Merchouek? Oui. J'espère que c'est important. Parce que je suis en pause. Oui, je voudrais juste connaître la note qu'a écrite à la dernière interro. Chris. Chris Van Vliet, je suis sa petite sœur. Mais j'ai déjà rendu les copies, non? Oui, c'est vrai. Il l'a perdu en réalité et mes parents aimeraient bien savoir quelle note il a eu. Chris dit qu'il ne s'en souvient plus. Eh bien, dans ce cas, Chris n'a qu'à me demander. Mais je suis de sa famille. Je croyais que j'allais pouvoir la voir. À l'hôpital, c'est ce qu'ils font. Tu as raison, mais ici on est dans un collège. C'est une question de vie privée. Qu'est-ce que tu dirais si je donnais tes notes à Chris? Je suis fondamentalement persuadé qu'il faut respecter la vie privée de Chris. Oh, d'accord. Bien. Sur l'écran, ce sont vos enfants? Oui. Oui. Le garçon là, c'est Eric. La petite fille là, c'est Rita. Et le bébé, lui, c'est Piotr. Thank you.
Un 10, sans blague. Yann s'est mis en tête qu'il était surdoué. Ça me surprendrait pas. Salut, Flore. C'est génial, non? Tu dois être trop fière de ton frère. Plutôt, oui. Je suis même allée voir son prof aujourd'hui, Monsieur Merchouek. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Disons qu'il était aussi surpris que moi par ta note. Je lui ai expliqué qu'en réalité, Chris avait juste besoin d'être motivé, ce qu'il a finalement réussi à comprendre. Oui, c'est ce qu'on pense. Génial. Vous savez ce qui serait cool? Que Chris s'inscrive aux Olympiades des mathématiques. Ouais, ce serait cool. Ça, c'est une super idée. Je vais tout de suite aller voir quand c'est. Tu voulais de la motivation? Ben voilà. Ce sera autre chose que de juste écrire ton nom en haut de la feuille. Tu sais quoi, Flore? Je te conseille de pas l'ouvrir. Et sinon quoi? Attention! Non, elle n'est pas assez droite à mon goût. Hé, hey, Chris. Regarde qui est là. Est-ce que je vous sers un café? À moins que vous préfériez du champagne. Non, ça ira. Si je suis ici, c'est pour que nous discutions des résultats scolaires de Chris, ce qui, j'imagine, ne vous surprend pas. Non. Je vous avoue qu'en général, nous ne prenons pas trop les notes en considération, mais là, il faut avouer que la situation est différente. Ah oui. Même si nous nous attendions un peu à ce que ça finisse comme ça. Oui, oui, c'est vrai, nous aussi. C'est dans les gènes. J'étais pareil que mon fils à son âge. Ah! Ah, ça explique tout. Bien, alors vous comprenez que Chris ne peut tout simplement pas passer dans la classe suivante. Non, 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 nous comprenons, c'est logique, mais que comptez-vous faire exactement avec lui? Lui faire sauter une classe? Pardon? Nous étions très inquiets du fait que Chris puisse se retrouver en décalage par rapport à ses camarades. Sauf si vous croyez qu'un tel challenge lui fera du bien. Chris est très loin de devoir sauter une classe. Il a besoin de redoubler. Quoi? Non, Chris vient juste d'avoir un 10. Même en additionnant toutes les notes qu'il a eues avec moi au dernier semestre... Je n'arriverai même pas à 10. En l'état actuel, il ne peut tout simplement pas passer en classe supérieure. À moins que... Oui, à moins que... Certains élèves ont été malades pendant la semaine des examens. Nous allons donc organiser une nouvelle séance. Peut-être que s'il se décide enfin à se mettre à travailler... Oui, bien sûr, absolument. Chris va vraiment se mettre au travail, pas vrai, Chris? Bon... J'ai vraiment besoin de récupérer mon agenda, sinon je ne pourrai rien changer. Les examens sont la semaine prochaine, alors il me le faut tout de suite. Il est temps de t'y mettre, c'est pour dans une semaine. Des exposants? Mais je les ai même pas encore étudiés. Débrouille-toi pour qu'il ait une bonne note. Les notes, c'est pas le plus important, non? Bonne chance. Plutôt réussi. 7,5. Et regarde un peu, Chris. Je te félicite. Règle numéro 23. Ne pense surtout jamais que tu es un surdoué. Sauf si t'as une petite sœur intelligente et qu'elle peut te donner un coup de main.